Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Soit la fonction f de x appartenant à r plus p de x égale e puissance moins x sinus x. L'étude sera faite d'abord entre 0 et 2 pi, donc f prime de x égale e moins x, facteur de cosinus x moins sinus x, d'où la dérivée u. Là, u grand v prime égale u prime v plus u v prime, je trace le cercle trigonométrique, cette dérivée s'annule pour les valeurs de x égale pi sur 4. Nous en déduisons le tableau des variations suivant. Petit f égale cosinus de 2, e 2 sur racine carrée de 2. X croissant, décroissant, croissant, décroissant. Grand M égale F multiplié par sinus 2, pi sur 4. C'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, bon. Alors, AF égale 1 sur 2 égale moins 2, bon. N'oubliez pas la deuxième partie du propos, P sur 4 et 3, P sur 4, partie assurée. Et petit F égale, n'oubliez pas A, ici, vaut donc A, B, U, sinus de X plus 2. Tout le monde a bien compris? Pardon, monsieur, est-ce bien intégrable au sens de Neyman dans l'intervalle AB? Absolument, oui, oui. Bien, monsieur. Mesdemoiselles, vous avez 30 minutes pour me démontrer la proposition inverse à la précédente. Merci.